Bonjour YouTube, bienvenue sur la suite de cette aventure incroyable de Doug Doug. Je me suis reposé un peu là, on a fait une bonne pause d'un quart d'heure, 20 minutes. On a discuté de choses incroyables à base de yaourt, de bombes dorées et de 50 Shades of Grey dans L'Amour et dans le Pré. Bref, tu vois, des choses... Bref, on reprend. On reprend. Et ça va un petit peu mieux, hein, mais bon, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Oui. Et de longues barres et de carrés, ouais. En voilà un en vert maintenant. À l'instant, j'ai vu une fille en noir. Mais c'est qui cette fille en noir? Parce que c'est pas Zelda, ça. Qui avait l'air d'être de la même espèce que toi. C'était une amie à toi? Normalement, on peut pas passer ici, mais elle a traversé d'un bond sans aucun problème. Arriver à sauter aussi loin, c'est pas à la portée du premier venu. Hey! Jeune élu de la déesse! Ah, c'est toi? Oh! Dame Zelda se trouve par ici, dépêche-toi! Waouh! C'était une... Gerudo? Une Sheikha? Je ne sais pas. Il y a quoi en bas là? J'ai pas compris, attends. Bah rien du tout, voilà. Et ne rappelez-vous, vous ne dites rien, quelle que soit l'information, rien. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ah mais c'est un truc qui est tombé ça. C'est loin quand même, hein. C'est un peu loin. J'ai trop peur de perdre mes vêtements. Gratte. Une phobie naturelle, la peur de perdre ses vêtements. Oui, non mais ça m'arrive souvent. Ne serait-ce pas un raccourci? Ouh, que oui. Oh là 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 là, je suis le pro du filet. Dans mes cauchemars régulièrement. Tiens, j'ai fait un rêve cette nuit. Il m'a marqué quand je me suis réveillé. Mais là, je m'en souviens plus. Mais... Il m'a marqué. Voilà. Excusez-moi, mais... C'était vraiment très intéressant. Thank you.
À noter la prochaine fois, ouais. Bonjour. Pas comme ça. Ah mais il récupère un caillou. Mais dis donc, il s'est juste pris une graine. Ah, il s'est pris sa propre pierre. Bah oui. Ok, c'est moi qui suis bête. Il est où le monsieur? Prends le cœur. Non mais c'est fini là. Pas faire ce que je veux. Ok, bah j'ai réussi, mais ça ne sert à rien. Cessez ce yé-yé infernal! Rien. Ah, bah c'était le chemin principal, je crois. Dis-moi, c'est ton baptême de fouille rubis? J'en suis très honoré, tu vois. Je m'appelle Radigum. Enchanté, petit. Je suis le responsable du fouille rubis. Chez Radigum. Tu peux faire fortune. Tu veux jouer à fouille rubis? Ouais. Le champ de rubis, niveau débutant, possède peu de trous. Idéal pour les novices, tu vois. C'est 30 rubis la partie, tu vois. Tu veux jouer? Tu vois. J'espère que tu déterreras des tonnes de rubis. Bonne chance, tu vois. D'accord. Oh non, c'est un démineur? J'ai jamais réussi à jouer à ce jeu. Oh non. Je suis en train de me faire dépouiller, hein. Donc, attendez. Je ne sais pas jouer au démineur.
Là, on a eu un rubis de 5. Est-ce que ça veut dire... que autour, c'est tout good. Pas du tout, j'ai rien compris. Too good to go, là. Tu t'es fait dépouiller, je suis désolé pour toi, tu vois. Mais... En quoi le rubis de 5 m'aidait à trouver ce qu'il y avait autour? Il n'y a que les verres où tu es sûr qu'il n'y a rien, je crois. Attends, on va essayer de comprendre. Cinq égale une bombe. Rouge 2. A priori, il y a au moins deux bombes autour. Là aussi. Donc on va dire que les deux bombes, elles sont là. Ah bah non, parce que... Bah non, voilà, lui... Là, il y a deux bombes. Du coup, pour lui, ça marche. Pour lui, ça marche. Mais pour lui, ça marche pas. Là, il peut pas y en avoir. Quoique si. Oh. Là, si on a un rubis bleu ici, ça veut dire qu'il y a deux bombes. Donc elles sont forcément là. Si lui, il en a deux, ça veut dire que là, il n'y en a pas. Les deux bombes sont là et là. Donc les trois ici doivent être sûrs. Oh god, un rubis rouge. Rubis rouge, a priori, je sais pas si ça veut dire 3, mais... Là, c'était un rubis rouge. J'ai pas retenu. Ça fait bleu, rouge, rouge? Ou rouge, rouge, bleu? De gauche à droite, là. Rouge, rouge, bleu. Rouge bleu, ok, ok. Bleu. Donc lui, il a deux bombes. Et les deux bombes sont là. Donc ça veut dire que le coin là-haut, il est sûr. Attends, là c'était un bleu? Ça va pas dans ma logique si c'était un bleu là. Ah si si, bah non, deux bombes pour moi. Bah dans ce cas, ça voulait dire que... On a... Le vert veut dire qu'il y a rien autour. Le bleu veut dire qu'il y a une bombe.
Puis le rouge 2. Oh là là. Donc lui. Lui, il y a deux bombes. Bon, je suis pas sûr d'avoir compris, mais bon. Une ou deux, si c'est du 2. Ouais, bon, écoutez, on a récupéré nos mises, hein. On va pas rejouer, non, mais c'était intéressant. Le problème, c'est que s'il y a un fragment de cœur qui se planque là-dedans, si tu récupères tout... Super, quoi. Ouais, ça sent le fragment, ça, bah oui. Ah bah, on verra, on en fera bien un jour, là, mais... Ah, c'est quoi, ça? Fouille rubis, merci de ta visite, d'accord. Voici un précieux conseil. Les rubis de faible valeur ont peu de bombes aux alentours. Par contre, si tu déterres un rubis de grande valeur, il y a de fortes chances qu'une bombe ne soit pas loin. Bah oui, on avait compris. Non, a priori, rubis bleu égale une bombe. Enfin non, vous dites une ou deux, mais ça c'est pas possible. On peut pas jouer avec du 1 ou 2, quoi. Rosa. Merci beaucoup pour ton sub T1. Hein. Oh. Je pense que c'est ça, un bleu et deux rouges, ouais. Là, on a eu du vert, donc tout autour c'est safe. Bleu. Bleu, ça veut dire 1. Rouge, 2. Bleu. Vert. Vert. Lui était vert. Bien sûr, maintenant, j'ai oublié ce qu'il y avait. Là, il y avait bleu et rouge, c'est sûr. Et là, je crois que c'était bleu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une bombe. Il y avait quoi tout en haut? Sûrement bleu. Ah, j'ai oublié! J'ai aucune mémoire. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il y a tout en haut? Bleu tout en haut. Et là aussi, c'est bleu. Donc, lui est safe. Je sais plus si c'est rouge ici ou pas. Je sais pas. Incroyable, tu as déterré tous les rubis, tu vois? Tiens, voici une récompense. Une poussière de déesse. On raconte que la déesse aurait laissé tomber ses trésors légendaires très rares il y a des générations. Vous
Go, continue, on est des pros. Ben, on va faire l'intermédiaire, c'est parti. C'est parti, là. Zelda, elle attend, hein. Pas nous saouler. Oh. 50 rubis la partie. Oh, yeah. L'argent avant Zelda. Un verre, ok. Essayez de retenir un petit peu parce que sinon, voilà. Vert donc. Bleu. On a que du bleu autour, pour l'instant. Donc si lui est bleu... Putain, le son des cœurs par contre... Il faudrait faire des notes, ça y a raison. Je vais prendre un des nombreux papiers qu'il y a dans mon sac à dos. Il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est tout beau. On gagne des poussières de DS, on peut pas... Et du coup, là, j'ai fait... Vert, bleu, 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 bleu. Ok. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir que j'utilise un truc au pif pour avancer. Hein. Parce que si lui, il y a une bombe là, elle peut être... Ok, bleu. Pouette, 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 pouette. Juste au-dessus, safe. Je suis pas sûr, parce que... Attends. Lui, il en a, lui, il en a deux. Les deux, elles peuvent très bien être ici. Non, il en a une. Une seule. Une seule, une seule, une seule. J'étais sur deux, c'est pour ça. Stop. Une seule. Donc. Il en a une. Je suis pas sûr que ce soit safe. Hein. Moi, j'arrive pas, hein. C'est pas une logique qui me parle, ça. Lui, il a une bombe. Mais qu'est-ce qui vous dit que la bombe, elle est pas là? Ah oui, puisque si la bombe est là... Oui, d'attendre un petit peu avant de me dire les indiques là. J'aime bien qu'on est sur un truc particulier quoi. J'arrive pas à réfléchir.
Le bruit des cœurs, déjà, me... J'arrive pas à savoir. J'arrive pas. Wow, il y a des rubis black. Oui, mais parce qu'en fait, je perds des cœurs. Tu veux faire une petite pause? Oui, oui, je suis dessus, là. Tu veux bien papoter avec moi? Pose-moi une question. Tu es ébloui? Tu flottes? Non. Je ne flotte pas, tu vois, je suis assis sur ma queue. En fait, je suis très fier de mes coussinets. Ils sont si mignons. C'est pour ça que je m'assois sur ma queue. Comme ça, mes clients peuvent admirer mes jolis coussinets. C'est ma technique de vente. Oh. Tu veux me poser une autre question? Oh. Il me fait de la peine, lui. Yeah. Oh. Oh. Pourquoi je continue? Pourquoi? On n'a plus le bruit des cœurs. Ça va déjà mieux. Vous avez obtenu un roupir. Vous perdez 10 rubis. Une vague tristesse vous gagne. Ah oui, mais... Pardon ? Ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça veut dire qu'il y a une bombe autour ou pas? Poète. Bleu là-haut. Oh god! Attends, on va voir. Il y avait deux bombes. En fait, ça veut rien dire puisqu'on a eu une autre. Oh, tu m'as saoulé là, c'est bon. C'est bon. M'a gavé là. Petite flaque d'eau.
Ok. Mais non, mais je donne des coups de fouet là! Prends ton épée! Oula! Est-ce qu'on leur balancerait pas un petit coup de lance-pierre à eux? C'est trop loin. Non, c'est eux là-haut. Ah, tout va bien. Ok. Sinon, on attend qu'ils aient plus de rochers, hein. Ils en ont pas à l'infini. Après. Ouais, c'est pas comme l'autre, hein. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a perturbé. Oh non! Tristesse. Il me semble bien que c'est par ici qu'ils l'ont enterré. J'arrive pas à la trouver. T'es sûr que c'était par là? Férugue? Et c'est quoi qu'ils ont enterré? Une clé! Clé! Ils ont cassé la clé de cette porte et ils ont nous caché un morceau, les morceaux un peu partout. Je suis sûr qu'ils ont enterré un des 5 morceaux par ici. Au fait, tout à l'heure, ils ont emmené une fille habillée bizarrement, non? Ouais, je suis sûr qu'ils gardent tous leurs trucs précieux à l'intérieur. À l'intérieur de la fille? Cette fille qu'ils ont emmenée, ils vont sûrement la garder précieusement pour la manger. Ça sent le trésor, moi je te le dis. Qu'est-ce que tu veux en faire de ces morceaux de clé? C'est évident, on va aller piquer les trésors qu'il a à l'intérieur en douce. On n'a pas besoin de clé, il suffit de passer sous terre pour se retrouver à l'intérieur, non? Ah. Ah. Tu sais que t'es pas bête, toi? Marimadas, maître Doug. La conversation de ces Mogma contenait des informations importantes. La fille habillée bizarrement, dont l'un d'eux a parlé. La fille en noir ou Zelda? La probabilité qu'il s'agisse de la femme en noir que nous avons croisée tout à l'heure est de 10%. Selon mon analyse, il est fort probable que ce soit Dame Zelda qui ait été enlevée. En outre, la probabilité que la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau que ce dispositif est de 95%. Je détecte aux alentours des objets constitués du même matériau. Jugeant que ces objets pourront nous permettre de nous rapprocher de Dame Zelda, je les ai enregistrés en tant que cible à détecter.
Bien. Waouh, cassez-vous. Et on creuse pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, ça marche si on met une bombe dans le truc. Le fun. Le fun. Le fun, le fun, le fun, le fun. Oui! Incroyable. Pourquoi on rentre pas en creusant? Non, on peut pas creuser. Enfin, on gratte. On gratte le sable, tu vois, comme un... Je vois. Ah mais non, je l'avais pas vu. Oh non, il y a encore l'autre. Avec un peu d'effort, on aurait très bien demandé à Utope de nous prêter. Ah, je sais pas, il voulait le trésor. Si on venait dans l'histoire. C'est pas si simple de creuser, hein. Il a chu. Peut-être que je l'ai tué parce que... Il donne pas des griffes ou je sais pas quoi. En fait, je prends le bon passage depuis le début. C'est bon.
Ah, c'est quoi là-bas? Est-ce que ce serait pas un gros papillon? Ou alors, j'ai rêvé. Non! Viens là! Ah! Je l'ai. Papillon azur. Ce lépidoptère est présent à peu près partout. Ah, il est pas rare en fait. Il arrive même parfois qu'on le rencontre dans des lieux insolites. Peut-être qu'il est rare, je sais pas. Balaye le sol, balaye! Ok. Ne me dis rien. Ok, t'aurais pu me le dire. Nous allons entrer dans une zone où la température est extrêmement élevée. La probabilité que vos vêtements prennent feu est de 95%, soyez prudents. En courant, il est possible de traverser cette zone. Je vous conseille de vérifier la direction à prendre avant. Oh là! Ok, bah c'est pas par là. Nom de Dieu. On se calme. Ah bah tiens, viens là. Je vais glisser là. Non. Oh là. Oh, en plus, il me donne des cœurs, donc la fée, on en avait rien à foutre. Par contre, je sais pas où je vais. Hein. Ben voilà, je vais là. Ouais, c'est la glissade où tout a basculé. Il va falloir qu'on le refasse. Il y a au moins un cube, un papillon, il y a sûrement plein de trucs. Hit!
Ou rouler, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Ah! C'est exactement la même position, non? Il a compris du premier coup. J'ai quand même l'impression que vous me prenez pour un idiot, mais bon. Ok, on est où là? Parce que je me suis un peu paumé. Et qui gratte? Il y en a un qui est tombé dans la lave. C'est bien fichu votre truc, hein. Franchement, ça passe. Ok, le raccourci est ouvert. Ah ok, de retour ici. Qu'est-ce que tu fais? Attention, 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 cette fois on vise... On vise où? On vise à gauche. C'est bon. Pardon? Pardon, Link, pardon, mais qu'est-ce que c'était que ce saut? Non! Fallait sprinter. Navrant. Ah, c'est pas grave, on a le raccourci. Ah.
Ok. Par contre, il doit y avoir un autre morceau ici, c'est ça ? Il est là ! Je remonte ! Non ! Oh, c'est pas possible. Ça passe là ? en vrai, possiblement. Oh le. Mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va s'en sortir, hein. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs, il y a sûrement un truc au milieu, là. Je processe, hein. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut que je retombe? On fout, j'y retourne. Carte, je crois pas qu'elle dise grand chose. Là, c'est la zone où j'ai pas le droit d'aller. Non, mais faudrait que je retourne ici parce qu'il y a des endroits où j'ai pas bien exploré. Puis là en bas, je sais pas comment on y va. Le DR des baleines, ça vient des free-to-play. Tu sais, les jeux free-to-play, on dit que les gens qui payent, le faible pourcentage de gens qui payent suffisent à financer le jeu. Donc les marketeux, tu vois, quand ils font leur free-to-play, ils cherchent des gens qui payent. Et les gens qui payent, ils sont appelés des baleines dans ce milieu-là. Pas forcément dans les jeux mobiles, Max. Jeux gratuits. C'est vrai qu'on le trouve souvent dans les jeux mobiles, mais... Les jeux gratuits où vous pouvez payer pour aller plus vite, pour avoir des améliorations, ou pour avoir des montures... Eh bien, si vous payez, vous êtes une baleine. Mais les baleines, je crois que c'est ceux qui payent super cher. Tu vois, tu sais, quand t'as le pack à 60 centimes, à 10 euros... Et il y a toujours le truc à 99 euros. La baleine, c'est celle qui prend le truc à 99.
Je ne sais pas ce que c'est que ça. Et du coup, bah, on avait dit... ceux qui payent un sub... Bah, c'est un peu les baleines, quoi. Ah oui, il y a un truc à détruire là, mais comment j'envoie ma bombe ? Que j'allais la voir, mais... Là, il faut attendre un peu parce que... Ah non. C'était pas comme ça. Ah non, ça y est, je me souviens de ce que c'était que ça. Ok. Doug est fatigué. Doug a du mal. Doug a du mal, on va pas se le cacher. Une dure journée. Je peux passer comme ça, vous pensez? La réponse est oui! Plus qu'un fragment pour reformer. La clé! On a mis un épisode entier pour ça quand même. Une VOD. Mis un quart d'heure à exploser. Oui, VOD, ça veut dire vidéo on demand. Ah si c'est passé. C'est quoi ça? C'est rien.
Retournez vite au sommet de la montagne pour retrouver Zelda qui a été emmenée dans le temple. Clairement un truc là-haut, mais j'imagine qu'il faut le grappin ou un truc de ce genre. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau donjon ? Temple de la Terre. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Ah, par contre, les ennemis de feu, ça c'est... C'est chiant! Oh, un mini coffre! Donc on n'a pas la carte là. Bah apparemment si. Ah non, mais la carte après elle nous donne les... Non, elle... Ok, j'affiche que la salle où je suis en fait. Parce que la carte donne aussi les coffres. Il y a des tonnes de monstres partout. Je peux même pas rejoindre mon pote. Je savais que j'aurais dû rester chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Décidément, tu choisis de drôles d'endroits pour chercher ton ami, dis donc. En parlant de ça, avant de venir ici, j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever. J'ai pas vraiment pu l'aider, tu comprends? Il y avait tellement de monstres. D'ailleurs, si tu tiens à la vie, tu ferais bien de te tailler toi aussi. Parfait. Les temples chauds de ta région. J'avais pas vu. J'ai raté mon saut. C'est bloqué. Coucou Wizard, 10e mois. On s'appelle le cul de la Schtroumpfette, le Blu-ray. Au revoir YouTube.